Salut tout le monde, je vous prends quelques secondes de votre temps avant que la vidéo commence pour vous dire que cette vidéo a été tournée en live sur Twitch. Ce que vous voyez là, c'est une rediffusion du live. Alors, si jamais vous voulez passer des bons moments avec nous en direct, profiter des analyses un peu compétitives qu'on peut avoir, venir passer sur un casque, juste dire bonjour, poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas, je vais vous mettre l'adresse sur l'écran tout de suite. Ça nous ferait grave plaisir et je pense qu'on peut passer des bons moments. Bonne vidéo à vous. Alors, on va commencer par parler de Purly. Donc pour ceux qui sont pas là d'habitude, le deck d'Octooze, le conseil, il est simple. Je prends une feuille et un stylo. je suis pas la Bible, hein, on va pouvoir discuter, tout ça va être bien. Le deck d'Octooze, le concept, il est simple. On a un Discord, vous pouvez taper point d'exclamation Discord dans le chat. Ça vous met le lien du Discord. Dans ce Discord, on a un channel qui s'appelle Deck Doctor. Et dans ce channel Deck Doctor, vous pouvez submit vos decklists que vous avez travaillé en amont, parce que évidemment on va pas construire des decklists à votre place, mais là par exemple on est sur une decklist qui est hyper travaillée, en tout cas de ce que je vois. Donc vous nous donnez vos decklists que vous avez construit en amont, et si c'est des archétypes qu'on n'a pas déjà fait, si c'est des archétypes méta, ou enfin du moins j'estime que c'est intéressant d'en parler, on va les reprendre en stream. Enfin je dis on, en l'occurrence aujourd'hui c'est moi, mais d'habitude il y a Nico avec moi. On les reprend en stream, on vous dit ce qu'on en pense, et puis on cherche tous ensemble des solutions pour améliorer le deck, pour faire le deck le plus méta possible en prenant en compte le format, en prenant en compte les évolutions du deck, en prenant en compte tout plein de choses, en prenant en compte si vous nous donnez par exemple un contexte, genre ouais mais à mon local il y a plein de branded, ah ok, bon bah alors du coup on va se concentrer sur branded et on va adapter les free spots, etc. Donc on essaie de prendre en compte toutes vos données et puis de sortir la meilleure decklist possible. Spoiler alert, cette decklist là, enfin. Je ne l'ai pas encore étudié dans le détail, je viens de la rentrer, mais je la trouve assez travaillée. Donc je ne suis pas sûr qu'on va changer énormément de choses, mais on va quand même parler de pas mal de trucs. Ça va être assez intéressant. Donc pour commencer, je pense que vous connaissez tous Purly. Si vous n'êtes pas à jour sur le deck, toujours pareil, point d'exclamation YouTube dans le chat, vous aurez accès à la chaîne. Il y a deux vidéos qui sont sorties la semaine dernière qui s'appellent Comprendre le nouveau format et la data du nouveau format. Vous aurez accès à tout plein de data sur Purly, sur comment marche le deck, sur qu'est-ce que font les cartes. Donc on va pas se réattarder dessus spécialement aujourd'hui. Tu as fait les défis de points de chaîne. Alors j'ai continué de collecter des cartes dino, j'ai pas encore tout, mais j'en ai plus qu'avant. On est proche du total là. C'était quoi? C'était un monde sans macro. Et bah dis-moi tout ce qui est dans le chat, parce que je suis un chanteur horrible et du coup l'IA n'arrive pas à pallier à la nullité de ma voix, tu vois. Et Dimitous qui est dans le chat est en train de nous faire des essais de soprano pour avoir un monde sans macro de fou. Donc ça taffe, t'inquiète. Ça taffe en background. J'ai pas pu live mais j'ai taffé. T'inquiète même pas, ça taffe. Alors, pour commencer, un truc qu'on va un peu kick out tout de suite, qu'on va un peu sortir du débat tout de suite. C'est l'engine Purly qui est dans ce deck. Pour moi, tout le monde devrait jouer la même line-up, peut-être à un terrain près et ou une trappe près, mais on en parlera à la fin. Mais 6 monstres, c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que j'attendais tes retours en MP, mais j'ai pas eu de news. Ouais, mais tu m'as fait plusieurs versions et tout. Il faut que je fasse des tests avec l'IA. J'ai pas eu le temps de les tester. Mais c'était en tout cas celle que j'avais écoutée. Je sais plus si j'ai écouté la dernière, mais celle d'avant, c'était déjà pas mal. Et voilà, vous avez votre grand chanteur dans le chat. Donc Simon, c'est obligatoire pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que vous allez jouer, enfin vous allez activer des cartes qui vous demandent de défausser. Si vous avez pas assez de ressources ou que vous prenez une interaction sur ça, même si ça défausse pas en coup, vous allez faire du moins sec dans la main et le fait d'avoir un petit directement en main, notamment Purly, ça vous permet de pallier à ça. Un truc que je trouve très intéressant avec le deck, et j'ai pas mal pété ce contre ce week-end pour pouvoir vous en parler aujourd'hui, entre autres. J'aime beaucoup le côté de bait les interactions adverses avec votre main, sauf, et de garder Purly à norme dans la main,
Et du coup, genre, vous baitez le maximum et il vous reste genre une, deux cartes en main. Vous faites norme pure Lily, va chercher my friend. À partir de là, vous repartez et c'est juste incroyable. Donc, je vous conseille de jouer 6. Je pense que vous pouvez cut aucun des deux. Même si lui il est hard-wound, c'est pas grave. Vous voulez l'open, même en double, c'est pas grave, vous pouvez le défausser. Donc, ça, c'est pour moi, c'est non négociable. C'est votre invocation normale qui fera pas de moins et tout. Et comme vous jouez de toute manière aucune autre norme dans le deck, c'est vraiment pas grave d'en avoir un en main. Vous voulez tout le temps avoir des names purely. Le deck, mine de rien, malgré qu'il y a pas mal de magie, si vous regardez bien, il y a 6, 9, 15 et une 16 plus my friend. On va dire, en gros, il y a 20 cartes à peu près qui vous font jouer. Si vous en piochez genre que une et que vous la faites negate, c'est la sauce. Du coup, vous voulez vraiment avoir des combinaisons de 2 voire 3 cartes purely. C'est hyper important, à mon sens, en tout cas, quand vous jouez le deck. Ça rend vos lines beaucoup plus imprévisible, beaucoup plus résiliente au end trap. C'est hyper important. Donc, jouez les 6. Très bon choix, Titoff. Celui-là, je le valide. On va faire des pouces maintenant. Les magies, évidemment, faut jouer la totale. Celle qui permet de piocher à la stand-by. Celle qui permet de faire gagner de l'attaque à un monstre. Par rapport à ses matériels, celle qui permet à un monstre de taper plusieurs fois et celle qui permet de manger, en plus de faire les invocations bien sûr. Donc manger, vous sacrifiez une carte que vous contrôlez et vous ciblez une carte adverse, vous l'attachez en matériel Xyz. Donc tout ça vous êtes obligé bien sûr de maxer, si celle-là était encore à 3 je pense que vous la maxeriez en plus. My friend aussi, donc ça on get out of the way, my friend c'est trop important, vous voulez l'avoir tout le temps. C'est pas grave de la jouer en 3 avec 3 pure Lily, parce que si vous avez my friend et pure Lily, vous allez chercher le terrain. Si vous avez my friend, si vous avez pure Lily et le terrain, vous allez chercher my friend. Et si vous avez pure Lily, my friend et le terrain, vous allez aller chercher la trappe. Parce que pure Lily peut ajouter une carte pure Lily de votre deck à votre main qui n'est pas une quick play. Vous pouvez aussi aller chercher la trappe. Et du coup ça vous évite de consommer un de vos body pour faire ce body là, qui est le nouveau body qui permet de poser des pièges. Donc vraiment ça faut maxer. Ça vous pouvez en jouer 2, vous pouvez en jouer 3. Personnellement j'ai un peu de mal avec le ratio à 2 d'un point de vue logique, mais d'un point de vue espace dans le deck je le comprends. En gros, le seul problème que j'ai, c'est que si tu veux vraiment l'open, tu veux l'avoir le plus souvent possible. Du coup, pour moi, tu devrais en jouer 3. Sinon, si c'est juste une target de tuto à pure Lily, tu devrais en jouer qu'un. Du coup, si j'avais un seul truc à faire dans cette TL pour l'instant, ce serait peut-être d'enlever un terrain. Ou alors, t'estimes que c'est vraiment trop important de l'open, et du coup, tu le maximises. Vu le format full imperm et veilleur, j'aurais tendance à maximiser le terrain aussi, ne pas être ciblé, fait broken. Bah, je pense aussi que c'est important. Du coup, peut-être que ça se max, tu vois. Après, c'est pas une carte qui te fait jouer toute seule. Mais je suis d'accord que c'est vraiment important. Purely mid. Purely, ouais. Alors, mid, faut peut-être pas exagérer, hein. C'est un bon contender quand même. Le problème du deck, c'est qu'il meurt sur des cartes qui sont très présentes, genre 10 barrières et tout, et ça lui fait vraiment mal. Drôle aussi, shifter c'est pas si facile, le matchup contre cash si t'as pas de free spot il est pas tellement évident. Donc en vrai, ouais, un peu difficile pour l'instant. Mais mid, genre c'est quand même un très bon deck. Donc ouais, j'avoue, je suis assez ok avec le call de maximiser le terrain. Hop, même si ça peut faire brick un peu, c'est peut-être un peu dommage, mais en vrai il y a beaucoup de free spot quand même. Ok. Donc ça, déjà, je suis assez ok avec le call. Si vous voulez vraiment pas le maximiser, je vous conseille d'en mettre qu'un. Évidemment, c'est pas une obligation, mais dans la logique, pour moi, ça me paraît plus logique. Ensuite, la trappe. Alors la trappe, il y a un débat d'en jouer une ou d'en jouer deux. Le truc, c'est que justement, on va voir après. Moi, j'aime bien une version de Purely qui est assez particulière, qui est la version qui joue des Dark World. Et du coup, si tu joues des Dark World, je pense que t'as pas besoin d'une deuxième trappe parce que t'as un accès qui est beaucoup plus facile à des bodies sur le terrain, potentiellement à des OTK, etc. Et vu la quantité de cartes que tu pioches, tes Dark World, tu vas les toucher. Du coup, je suis pas si sûr qu'il y ait incroyablement besoin d'une deuxième trappe si tu joues Dark World. Par contre, si tu joues pas Dark World, une deuxième trappe, ça peut être intéressant, effectivement, ouais. Ça peut être intéressant, donc pourquoi une deuxième trappe pour ceux qui jouent pas Purely? Faut pas oublier que la trappe est Bounce, ce qu'elle invoque à la pas la end phase là, la end phase du prochain tour. Du coup, si pendant le tour de votre adversaire en stand-by, vous faites par exemple effet plump, pioche 2 parce qu'il a 2 sleepy, puis chain trap, main noir, pioche 2,
Faut pas oublier que du coup, à la fin de votre tour, donc tour d'autre adversaire se termine, puis votre tour à vous, le noir, il retourne dans votre extra deck. Et du coup, bah, des fois, c'est difficile de reset-up un gros noir après avoir consommé ces ressources-là. Alors que si vous faites, si vous jouez une deuxième trappe, vous pouvez faire genre un happy qui tape plein de fois, parce que du coup, vu que c'est votre T2, vous avez une battle phase, et derrière, refaire un pur lily par-dessus, c'est possible. C'est complètement possible. Donc, deuxième trappe, pourquoi pas. Après, encore une fois, c'est pas vraiment une carte que tu veux open. T'as une nouvelle option pour aller à la tuto. Donc, pour moi, ça reste un one-off. Mais je peux entendre l'argument d'en jouer une deuxième. Talon, c'est assez intéressant, voire très intéressant. Je pense que c'est peut-être même un x3. C'est vrai qu'on en parlait. On en parlait sur d'autres lives. C'est une carte qui te permet d'aller tuto. D'aller piocher 2, pardon, si tu te prends genre un Veiler qui te fait mal ou une Mourneur qui te fait mal. Il y a des gens qui commencent à re-rentrer Mourneur aussi pour respecter Purely et Manadium notamment. Et du coup, tu peux te prendre des Mourneurs en draw phase à la différence de Veiler. S'il y a une entrap qui te fait vraiment mal, le fait de piocher 2 dans ce deck, ça peut clairement te faire repartir. Maintenant, c'est aussi une carte qui peut avoir un peu ses downsides, on va dire, sous drôle parce qu'elle te fera pas piocher, mais elle te fera regarder la main adverse et t'ège une carte. Ce qui est le meilleur moyen de 1. Savoir comment placer tes interruptions, parce que sous drôle tu vas en générer peu, et donc faut les placer de manière optimale, sinon tu tiendras pas. Et 2, bah tu vires sa meilleure carte, donc peut-être que lui, sa main, elle va devenir beaucoup plus faible juste parce que t'as résolu Talons. Et du coup, sur cette dynamique là, je trouve que c'est une très très bonne carte dans le deck. Sa seule faiblesse, c'est qu'elle joue pas autour de 10 barrières, mais malheureusement, c'est quasiment impossible de. Enfin, c'est complètement impossible de jouer autour de 10 barrières. À part si tu mets une cross out, et peut-être qu'on peut tackle ce débat tout de suite. Je suis très content que c'est un choix que t'aies pas fait, Titoff. Parce que vraiment, cross-out, c'est... Enfin, pour moi, c'est de la merde, quoi. Genre, jouer cross-out en go 2, même en side, pour aller juste dans 10 barrières, si... En fait, vous faites les maths, 30% du temps, à peu près, il va avoir sa 10 barrières. C'est le ratio pour un 3 off. Un peu plus de 30% du temps, vous allez avoir votre cross-out, parce que c'est un 3 off et vous êtes go 2, donc vous avez un peu plus de chance que 30% de l'avoir. Mais si on fait des probas croisés, 30%, 30%, ça fait 10%. Ça veut dire que 10% du temps, vous allez avoir cross-out quand il va avoir 10 barrières. 20% du temps, vous allez avoir un cross-out qui vous sert à rien. Et 20% du temps, il va avoir une 10 barrières qui va vous tuer, même après que vous ayez rentré cross-out, parce que vous l'aurez pas pioché. Donc vraiment, cross-out, j'aime vraiment pas le design de la carte. Encore moins pour go 2. Déjà que pour go 1, je suis pas hyper convaincu. En fait, c'est exactement le même raisonnement pour Droll, c'est exactement le même raisonnement pour plein de trucs. Alors certes, on peut se dire que, ouais, mais du coup, si je joue cross-out, il y a 10% de chance qu'il ait Droll et 10% de chance qu'il ait 10 barrières. Et du coup, ça me fait 20% de chance que mon cross-out, il soit bien quand je l'ai en main. Ça fait quand même 2 games sur 10, quoi. Genre, 2 games sur 10, c'est vraiment, vraiment gaze. Cosmic Main, tu as peur de quoi dans les main decks? Bah, on va y arriver, mais effectivement, c'est... C'est une bonne question, mais c'est Cosmic qui est une carte qui est de plus en plus intéressante, notamment à cause d'Unchain. Magie rapide, répéter des floodgates, beaucoup de labyrinthe et de lich là où je joue. Ok, donc en plus ça fait sens. Ouais. Donc voilà, il y a ça. PTT, je suis un peu on edge sur la carte dans Purely. Parce que mon problème en fait avec PTT, c'est qu'elle va pas chercher de carte d'engine. J'aime pas Cross Out, non, Cross Out c'est de la merde, je suis d'accord. Et du coup, ouais, PTT va pas chercher de card engine en fait. Genre, PTT va chercher soit une magie normale, soit une piège, et l'ajouter ou la poser. Ça, c'est des magies rapides. Ça, c'est une magie continue. Ça, c'est une magie de terrain. Et en fait, le seul truc que vous pouvez aller chercher, c'est la trappe. Sauf que la trappe, elle vous fait pas jouer. Du coup, sous genre drôle et tout, PTT, ça vous aide pas à jouer. Ça pose une imperme, quoi. On va dire en gros, c'est à ça que ça sert. Donc, c'est pas giga nul. Mais le fait que c'était pas d'option d'engine, ça me dérange un peu. Sachant que la N-trap monstre que tu vas probablement prendre le plus souvent, c'est drôle en plus. Donc c'est la situation où elle est censée être utile, elle est vraiment pas si forte que ça. Je trouve ça un peu dommage. Maintenant, je comprends peut-être le one-off pour se dire que tu mets un plumeau, etc. post-side. Donc on en reparlera peut-être en side, mais pour moi, PTT, ça a peut-être pas sa place. Là où TTT, par contre, ça pourrait être un 3-off. On va commencer notre réflexion comme ça. Book, c'est une carte très intéressante. C'est une carte qui va vous aider dans pas mal de scénarios. C'est une carte qui peut gérer lui. Il s'appelle pas comme ça. Comment il s'appelle? Lui. Wave Hiking, pardon. Lui, qui est donc sur le endboard de quasiment tous les decks Unchained, qui dit quand une magie, piège ou un effet de monstre est activé qui inclut de spé,
Tu peux détacher un matériel, annuler l'activation et si tu le fais, détruire la carte. Et si cette carte est envoyée dans le cimetière, ajoute un Dark Contract, ça on s'en branle. En gros, lui, il va vous essentiellement vous negate vos deux magies rapides en main. Enfin, deux magies rapides en main. Vous allez en activer une, il va détacher, il va negate. Vous allez en activer une deuxième, il va détacher, il va negate parce que c'est pas une fois par tour. Et du coup, c'est un peu chiant quoi. Genre, si lui il est sur le board, il vous fait faire moins 2 en main quasiment gratuitement. Book, ça résout ce problème. Vous mettez un book dessus, hop, il dégage, ça résout le problème. Eurizard, vous mettez un book dessus, hop, il est face down, ça résout le problème. Donc, book, j'aime bien. Book, je pense que c'est un assez bon choix. Imperm, bon, on n'en parle pas. Je pense qu'Imperm, c'est vraiment très, très, très important dans ce format. Enfin, c'est une carte qui a beaucoup, beaucoup de polyvalence et qui touche assez fortement beaucoup de decks, ce qui n'est pas le cas de, par exemple, Ashe que tu as mis en side. Même si Ashe redevient une un peu meilleure carte que ce qu'elle était au dernier format, notamment à cause d'Unchained et de Branded Chimera, qui essentiellement fait revenir Branded plus en quantité, même si je suis pas sûr que tu gagnes tellement en qualité, c'est un peu meilleur, mais bon, ça meurt sur les mêmes choses. J'aurais tendance à jouer plus de Entrap plutôt que Book. Le choix a clairement été de jouer des Entrap, autant passer à 12 avec des Nib ou 14-15 en enlevant PTT Cosmique. Bah justement, on va potentiellement enlever un peu d'Entrap. Alors j'aime beaucoup Veiler, hein. J'aime beaucoup Veiler, mais on va arriver, drôle évidemment, t'en as parlé. Je suis plus tellement un grand fan de Veiler maintenant qu'Unchained est aussi prédominant. Parce que du coup, on est sur une carte qui est Gamble contre Kashtira, qui va souvent être bien mais qui va pas toujours l'arrêter. Et qui est assez mauvaise contre Unchained parce qu'il a pas mal besoin de dodge. Tu vas book, il va negate pareil. J'ai pas compris ce qu'il allait negate avec book. Je suis pas sûr que j'ai compris. Vas-y, je te laisse m'expliquer dans le chat. Donc pour moi, Veiler, actuellement, ça saute des main decks. Et comme tu disais, moi, il y a une engine que j'aime vraiment énormément dans ton deck. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, je ferai ce choix. C'est 3 Rainbow et 1 Sylva. Ou 2 Rainbow et 1 Sylva, mais c'est vraiment meilleur d'Open Rainbow. Donc je pense que 3 Rainbow, c'est idéal. Et du coup, si toi, tu valorises Cosmic, on peut se dire que beaucoup de Deadlish. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit beaucoup de Labyrinthe et Deadlish. Est-ce que c'est choquant, du coup, de faire quelque chose comme ça? Oh putain, tactique. Est-ce que c'est choquant, du coup, de faire quelque chose comme ça? Ouais, c'est vraiment pas terrible, en vrai. Non, je dis de la merde. Forgive me. Cosmic. Et on réfléchira à la dernière carte après. La XCC, tu dis negate deux fois les magies pour Purely, mais Book résout pas ce problème, il va juste negate ton activation de Book. Non, la XCC, c'est negate un effet qui spé. I Wave. I King. Lui. Elle negate un effet de magie, piège ou monstre qui spé. Sachant que le board Unchain a un peu de mal à pull up une Omni-Negate. Et donc, lui, il peut negate des effets qui spé. Mais il peut pas negate n'importe quelle magie piège. Du coup, tu peux le book et il se passe rien. Il part face down et c'est tout. Du coup, je disais, Dark War. Pourquoi j'aime beaucoup Dark World dans Purely? Y a pas mal de raisons, en vrai. C'est une carte qui est très intéressante dans le deck. Enfin, c'est une engine, pardon, qui est très intéressante dans le deck. Déjà parce que la première chose, c'est qu'elle te permet de jouer énormément autour de deux de tes faiblesses, qui sont 10 barrières et drôle. La première raison, c'est que du coup, tu peux, en draw phase de ton tour, tout simplement, activer une magie, défausser un rainbow, aller chercher ton Sylva, et à partir de ce moment-là, t'as joué autour de drôle. Entre guillemets. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas faire ton plus avec ton petit Purely que tu vas invoquer, et en fait, tu vas rentrer en main phase, tu vas activer un effet de tuto, quel qu'il soit, que ce soit genre une spé, ou lui, ou my friend qui va tuto, et derrière, si tu te prends drôle, c'est pas grave, parce que t'as déjà généré au moins une, voire deux magies rapides, et que t'as géré une manière de... T'as généré, pardon, une manière d'ajouter des cartes en main qui est infinie, entre grands guillemets,
Par rapport à ta main sous drôle, parce que ta main sous drôle, tu peux pas ajouter de cartes de ton deck, du coup tu peux pas révéler 3, tu vas te retrouver limité sur tes ressources et tout, et tu vas devoir faire des places aux optimaux. Là où les Dark World, du coup, tu vas pouvoir faire active la magie, défausse tuto Sylva, active une autre magie, défausse Sylva, effet Sylva, il va se respé parce qu'il a été défaussé. Du coup, tu peux faire l'invocation de Rainbow qui te remonte Sylva en main pour se spé. Du coup, tu peux redéfausser Sylva, il va se respé. Du coup, tu peux Link of Rainbow, refaire effet Rainbow, remonter Sylva. Donc, en gros, engine de discard infini. Ça, c'est la première chose pour jouer au tour de drôle. La deuxième chose, et ça, on va en parler, c'est un truc qui est pas très joué dans Purely pour l'instant, et je trouve ça assez dommage, c'est que ça te permet de jouer des Links, de Link Climb avec le deck, en fait, tout simplement. Et du coup, ça te permet de jouer autour d'une autre de tes faiblesses, qui est 10 barrières. Si tu touches tes Dark World, t'es capable de Link Climb. Alors je te dis pas que tu feras le board de l'année, mais t'es capable de faire genre IP qui va générer une interrupt, plus peut-être potentiellement un ou deux free spots, et en fait ça peut tenir, ça peut te faire tanker le tour, et à partir de là, vu que t'as gardé tes ressources parce que bah 10 barrières en fait, bah t'es juste capable de potentiellement remonter la game. Donc pour moi c'est deux cartes qui sont, c'est une engine qui est très importante pour jouer autour de ces deux cartes, et comme c'est les deux plus gros problèmes de ton deck, Ça répond parfaitement à ça, et c'est quasiment aujourd'hui, je pense, une obligation dans le deck. Enfin, en tout cas, je ne comprends pas les gens qui ne la jouent pas. Autre chose qui, du coup, te permet d'accéder à ces options, pour moi, c'est Prospect. Alors, je sais pas si c'est une question de budget, ou peut-être que tu estimes que c'est pas nécessaire. Après, je vois que tu parlais de PTT et tout, donc en vrai, t'as quand même des cartes qui sont chères. Je suis pas contre l'idée de rentrer du prospect. Par exemple, on peut faire un espèce de ça, tu vois, un petit peu. En mode, tu gardes des options pour aller chercher avec prospect. Ça me choque moins parce que du coup, c'est des board breakers et pas juste 2 et 2, tu vois. C'est genre, quand je vais activer mon prospect, quelles options ça va me donner. Et dedans, t'as 4 board breakers différents, mais t'en joues pas, tu joues pas genre bah, un cosmique parce que je veux l'avoir, mais pas trop. Ça me choque moins, tu vois. Prospect, je pense qu'il est essentiel pour ta consistance. Je pense que tu peux te le permettre dans le deck, parce que t'as quand même pas mal de slots en extra qui peuvent virer. Il peut te permettre de fixer tes mains, il peut te permettre d'aller chercher les Dark World, du coup si tu joues les Dark World pour climb ton engine. Autre chose du coup qui est très important pour moi avec les Dark World, c'est de jouer une plus grosse engine lien. Alors, tu me corriges, j'ai pas beaucoup d'XP sur le deck, j'ai joué contre beaucoup, je l'ai joué une ou deux fois. Ça c'est pas obligatoire, ça c'est le casino. C'est un peu ma lecture de la chose, si on veut. Moi, j'aime bien, dans ce setup, venir mettre ça. Oula. Non. Mettre ça. Hop. Et mettre lui. Voilà. Donc, une plus grosse engine link que ce que joue la majorité des Purely. Pour interagir avec tes Dark World, encore une fois, l'idée derrière ça, elle est assez simple, en fait. Pendant ton tour, tu vas utiliser un body Purely qui t'aurait fait par exemple une imperme, probablement lui en fait, hein, probablement Beauty, pour faire à la place IP. IP qui du coup va te permettre de pas consommer ta copie de Beauty, tu vas voir pourquoi après c'est important. Du coup, tu vas pouvoir soit aller dans Azalea, soit aller dans Unicorn. Et en fait, vu que t'as fait des Dark World, ton tour il va se terminer sur Rainbow, remonte Sylva dans ta main. Tu gardes Sylva avec IP sur le board, donc tu link off Rainbow et un body dans IP. Et derrière, tu dis fin de tour sur ça. Pendant le tour adverse, derrière, du coup, tu peux faire IP effet avec un body pour partir dans Unicorn. Unicorn effet, discard le Sylva que t'avais remonté pour bounce un truc. Du coup, ça t'apporte un nouveau type d'interruption que t'avais pas, qui est les liens. Puis, Sylva est fait, vu qu'il a été défaussé avec Unicorn, pour se respé. Et du coup, sur ton board, à l'heure actuelle, t'as Unicorn plus Sylva, qui vont te donner une pression de létal derrière, parce que t'as une ligne 3 plus Sylva, et du coup, tu peux très facilement aller sur Access Code, en fait, au tour d'après. Access Code qui, même s'il a que des lignes d'arc, c'est un peu dommage. Je trouve il aide beaucoup le deck à avoir une pression de kill parce que comme je disais, à cause de la trappe, ton Purely noir il va remonter et des fois ça t'a coûté des ressources de remonter le board ou alors ça t'a coûté des ressources de jouer ton tour parce que tu t'es pris une ou deux end trap et du coup t'as besoin de vite finir la game
Et je trouve que dans ces situations-là, avec ses squads, il a une value qui est vraiment importante dans le deck. Et du coup, cette engine-là, elle est parfaite pour combiner avec ça et pour te permettre d'aller chercher access code très très vite, en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup access code Unicorn dans ce deck. Je trouve que c'est très important. Azalea, pour moi, c'est essentiel pour te permettre notamment de jouer autour de Derken Bionly One, bien sûr, qui te tue tout simplement. Enfin, t'as que des ferries et toutes tes Xyz sont ferries, donc à partir de là, voilà. Et du coup, je te parlais du mono beauty. Un autre truc avec le beauty, c'est que idéalement, t'aimes vraiment le. Enfin, si t'en joues qu'un en tout cas, t'aimes vraiment le garder parce que du coup, t'es 3, tu vas être capable de régénérer un aim purely, c'est sûr. Genre, tu fais ton tour, tu fais ton board, le mec en face joue, s'il te tue pas, c'est quasiment sûr que tu vas être capable, soit via My Friend, soit via une magie rapide que t'avais gardée, soit via une norme, soit via une spé du terrain, du deck, parce que bah, tu t'es fait péter un body. Ce que tu veux, tu vois. T'es 100% capable de remettre un body purely sur le terrain. Et dans ce cas-là, le meilleur body pour remonter un bout de board et générer des choses, c'est lui. Parce que lui, il permet deux choses. La première, c'est de manger une carte adverse. Donc ça va gérer potentiellement un monstre, potentiellement une MP avec l'effet de la magie quand il est attaché. Pretty Memory. Donc on rappelle hein, ici. Hein. Une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte que vous contrôlez au cimetière, puis cibler une carte que traverse un contrôle attaché là en matériel. Du coup, tu vas pouvoir lui manger une carte, et si jamais il a une réponse monstre, tu vas pouvoir chaîner pour imperme ce monstre. Et du coup, gérer, par exemple, potentiellement, je sais pas, une baronne ou un truc. Tu fais arriver lui, tu dis effet, je te mange ta baronne, bah non, je negate, bah non, je t'imperme. Voilà. Donc lui, en fait, il a vraiment beaucoup de value T3. T1, il en a pas tellement, donc tu le feras rarement T1. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est plus intéressant de faire IP. Ça donne plus de flexibilité entre la Unicorn, la Azalea. Et du coup, profiter des Dark World. Et en plus de ça, du coup, il t'aidera pas mal à remonter des bords T3. Donc voilà, je pense que moi, ça, c'est la line-up d'extra deck que je jouerais si je devais jouer le deck aujourd'hui. Lui, il est trop important en 2 off dans les games où tu grind, il fait trop de tutos, il fait trop de trucs. Lui, évidemment, 1, c'est suffisant parce que la magie est à 1. Lui, je pense également que 1, c'est suffisant, d'autant plus que tu joues qu'une piège. Ceci dit, il a quand même un intérêt non négligeable, même en go 2. Parce que défausser 1 pour Boons 2, avec en plus derrière le matos qui va te faire draw, in fine, si c'est la dernière carte que tu fais, ça revient à défausser 0, entre grands guillemets. Parce que du coup, tu vas défausser 1, tu vas Boons 2, derrière tu vas passer à son tour, et en standby tu vas repiocher 1. Donc c'est comme si tu avais défaussé 0. Et en plus, c'est un moyen de défausser tes Dark World, si jamais tu n'avais pas eu accès avant. Donc voilà, c'est... 1, c'est largement suffisant, mais c'est quand même une très très bonne carte, c'est un gros plus pour le deck. Et évidemment, 2 noirs, si t'en fais générer 1, c'est toujours très intéressant d'en mettre un deuxième. Donc voilà, je pense que je m'orienterai peut-être sur quelque chose comme ça. À voir si tu trouves que tu manques de free spot, hein. C'est complètement possible. Après, il faut considérer quand même que Prospect est plus ou moins free spot. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis Prospect avant la trappe. Prospect est potentiellement free spot. Si jamais tu manques de free spot et que tu trouves que ça fait beaucoup d'engine... Je peux te conseiller de faire ça et de mettre. Hop. Et. Hop. Tu peux faire ça en te disant que du coup, vu que t'as rentré prospect, t'as plus de chances de voir My Friend, plus de chances de voir le terrain. Du coup, t'en as besoin de moins pour l'open. C'est un peu comme si virtuellement t'avais rentré des accès au terrain via des monstres ou quoi. Et du coup, voilà. Si tu trouves que ça manque un peu de free spot, tu peux en gagner 2 comme ça. Je pense que ça, c'est une liste qui est assez proche de ce que je jouerais. Jouez pas aussi les Dark World qui vous font piocher et tout. Je sais même plus, je crois que c'est Bro. Ouais, c'est Bro. Si il est défaussé, ça vous fait draw 1, c'est de la merde. Hein. Vous perdez sous drôle déjà. Donc, bah, genre. Jouez pas encore plus de cartes qui vous font prendre drôle, ça a pas de sens. Même si, techniquement, vous pouvez le défausser en draw face, etc. Mais l'idée. L'idée de cette engine-là, c'est que tout vous accède à Sylva, et que Sylva, lui, il a pas besoin de piocher, alors que là, du coup, faut piocher spécifiquement Bro et tout, c'est un peu chiant. Je crois que lui, tuto que un niveau 5. Ouais, c'est ça, 5 ou plus. Donc voilà pour le main. Ensuite, pour le side, j'aime assez bien le côté Twin Feather. Je me demande si ça fait pas un peu beaucoup avec Cosmic. Donc encore une fois, Snow a un intérêt. Non, Snow a pas vraiment d'intérêt, même chose. Exactement le même raisonnement que Bro. Faut juste que j'arrive à la trouver, donne-moi une seconde. Bon, c'est cet effet-là qui va nous intéresser.
Add One Dark World Card from your deck to your end. Bah, autant jouer Rainbow, tu vois, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que Rainbow, il recycle Sylva. Snow ne recycle pas Sylva. Du coup, là, l'idée, ce serait de faire genre défausse Snow, tuto Rainbow, défausse Rainbow, tuto Sylva. Sauf que du coup, il te faut deux magies rapides à activer en draw phase et tout. Je suis vraiment pas trop convaincu de Snow. Et encore une fois, si t'as pas de magie rapide à activer en draw phase et que t'es obligé de faire genre My Friend pour aller chercher ou prospect pour aller chercher et qu'en réseau tu te prends Droll, ça t'explose dans la main quoi. C'est vraiment la pire carte de l'univers. Donc non, vraiment pas convaincu par Snow. Je pense que ça c'est largement suffisant. Entre les prospects, les draws que tu vas faire en stand-by, je pense que tu vas les voir. La majorité du temps, t'en as besoin pour le T3, pour être capable d'aller au TK avec le Talker. Donc voilà, c'est pour cette line-up Dark World, je pense que c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Du coup, oui, je te disais, pour les pet MP, moi j'ai une habitude un petit peu de me dire 5 c'est suffisant, tu vois. Donc genre 3 cosmiques et 2 twins, ça pourrait suffire. D'autant plus Go 2, parce que visiblement, du coup, c'est quand même principalement Go 2 que toi tu veux les jouer dans ton DC. De manière générale, Cosmic c'est une très bonne carte. Hein. Cosmic ça va chercher pas mal de backrow aujourd'hui. Ça gère la burst. Même si bon, elle peut revenir avec Théosis qui se banne et qui pourrait la reprendre en main. Donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Ça gère la burst au moins. Ça gère le terrain cache à l'activation. Ça gère les MP Unchained, parce que les MP Unchained, si elles sont détruites par effet, bah elles font des trucs. Alors que bah, banni par Cosmic, elles font rien. Du coup, je pense que Twin, c'est un bon choix en side et Cosmic, c'est un bon choix en main et pas l'inverse. D'autant que ton deck défausse déjà beaucoup, donc t'as besoin de pas consommer de ressources en main. Par contre, je pense que tu peux peut-être gagner un slot sur le Plumeau. Je suis pas sûr que le Plumeau, il ait besoin d'être là. T'as déjà 5 PTMP. En Go 2, ce sera largement suffisant. Même en Go 1, ce sera assez suffisant. Donc, je suis pas sûr que le Plumeau, il ait besoin d'être là. D'autant que ton deck prend quand même assez sévèrement anti-spell en plus. Même si tu peux chaîner quelques cartes. Si tu vas tuto un My Friend, tu peux pas le chaîner. Si tu vas tuto un terrain, tu peux pas l'activer. Si tu pioches un prospect, tu peux pas l'activer. Talent, tu peux pas l'activer. Et du coup, le plumeau, pardon. Regain ou best au beast aussi. Ouais, effectivement, regain ou beast aussi que tu peux gérer avec Cosmic. Donc c'est vraiment un bon choix, je pense. Un bon metacall. Plumeau, je pense que tu peux l'enlever. Il est juste moins bon que cela dans le format actuel. Donc je pense que tu peux l'enlever. Roller, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est assez intéressant. Ça a sa place ici. La question pour moi, elle va être entre est-ce que tu veux jouer Roller ou Droll. Alors ça, c'est up tes choix et up tes préférences personnelles. Si par exemple dans ton DC, il y a pas mal de Purly notamment, je te conseillerais plutôt de jouer Droll parce que Roller a assez peu d'impact dans Purly. Si tu devais rentrer par exemple contre Purly ici... Tu vois, tu vas rentrer tes 3 Santa Claus là. Et au-dessus de tes books, je suis pas sûr que t'aies vraiment envie de garder book non plus. C'est mieux que Roller. Peut-être que t'as envie de garder book, mais peut-être que t'as envie de mettre Kurikara ou de mettre autre chose. Peut-être qu'ici, je te conseillerais plutôt de mettre Droll parce que ça va avoir la même fonction, c'est que ça va venir stopper les decks combo. Donc Manadium et Dragon Link et Purly principalement et Branded Chimera aussi. Là où Roller contre Chimera c'est vraiment pas terrible, contre Manadium c'est vraiment très bon par contre, et contre Purly c'est pas terrible. Donc je te conseillerais peut-être plutôt de mettre le Droll en side à la place du Roller. Je suis le seul. Ah, tu vas gagner du coup, tu vas avoir la meilleure DL, le meilleur joueur, personne ne sait ce que tu fais, des lines complexes, j'aime beaucoup le projet. En tout cas je l'ai pas dit depuis le début, mais pour tous ceux qui commencent slash reprennent, malheureusement le deck est cher. Trop cher, je pense, pour ce qu'il est aujourd'hui dans le format, même si c'est un bon deck, un très bon deck, même, ne vous méprenez pas, mais je pense que c'est pas le meilleur deck. Par exemple, Unchained est moins cher, alors qu'Unchained est, je pense, un peu meilleur. Mais Purly est un excellent deck pour apprendre à jouer. Malheureusement, vous allez perdre sur genre 10 barrières et tout, c'est un peu chiant. Mais c'est vraiment un excellent deck pour apprendre à jouer, maîtriser votre gameplay, comprendre les liners, etc. C'est vraiment un très 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 bon pick pour progresser. Santa Claus, je pense que c'est un très bon choix. Ça va 100% rentrer à la place des cosmiques par exemple contre Purly. C'est de manière générale contre les decks qui font des towers et ou les decks qui font des boards chiants comme Anadium, c'est juste idéal en fait. Enfin, tu vas pouvoir faire une Xyz. Derrière, tu mets ton Santa Claus, tu fais une Xyz, tu tapes dedans parce que l'Xyz, le Santa Claus, il est en def et du coup même si tu prends un petit peu de dégâts, c'est pas très grave, tu tutos genre 3-4. Derrière, t'es au max, tu peux faire un giga noir, tu peux faire plein de trucs. Donc vraiment, le Santa Claus
essentiel, je pense, bien meilleur qu'un Kaiju. Petite tech, encore une fois, petite interaction. Bon, tech, c'est assez évident, mais je vous la display quand même. Si jamais vous faites Santa Claus à un mec, et que vous invoquez ça, et que vous défaussez une carte pour bounce le Santa Claus, return that card to the end, vous récupérez votre Santa Claus. Même chose que pour un Kaiju, en fait. Donc vous pouvez Santa Claus le mec, tap tap tap, faire du CA, X6-2 sur lui, défausser une carte, remonter votre Santa Claus en main, et du coup vous pouvez re-Santa Claus, parce que c'est pas une fois par tour. Du coup c'est marrant, si jamais... Ça peut arriver dans certaines situations que ça ait une vraie utilité. Si jamais vous jouez la carte, et je pense que c'est une très très bonne carte dans le deck, meilleure qu'un Kaiju. Très fun à jouer, ouais très fun à jouer, par contre assez punitif, faut jouer... Pas parfaitement, mais il faut bien jouer le deck pour gagner des games avec. Donc, pour progresser, c'est idéal. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui se décourage quand il perd et qui aime progresser un peu dans la douleur, ça vous fera apprendre énormément de choses sur le format et sur le jeu de manière générale. Merci. Je sais pas merci pourquoi, mais de rien. Grand plaisir. H, je pense que c'est un très bon pick. Mon seul problème, c'est que j'ai toujours du mal à mettre H en side, encore une fois. Mais je pense que c'est un très bon pick dans ce format. C'est très bon contre Unchained et c'est très bon contre Branded. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une carte de main. Ça a trop peu de value contre Cash. Ça a assez peu de value contre Purely. Enfin, ça fait 1 pour 1 quoi. Mais c'est pas non plus légendaire. Pour tous les conseils et tech de folie. Bah, avec grand plaisir. Grand cœur sur toi. Merci à toi d'avoir submis ta DL au contraire. C'est grâce à vous que je peux faire ce genre de contenu. Hein. C'est. En vrai, tu vois, je le disais au début du live, mais je vois, ça se voit, c'est évident quand je vois ta DL qu'il y a eu du travail et de la réflexion et qu'il n'y a aucun choix qui a été fait au hasard. Et c'est comme ça que vous devez build une DL, en fait. Donc, c'est juste merci à toi d'avoir pris le temps de le faire, de le partager avec moi et de me proposer un contenu de qualité. En fait, je ne pourrais pas faire un contenu de qualité si j'avais pas des DL de qualité pour travailler. Donc, merci à toi. J'ai win ce week-end contre Purely, merci Kurikara. Ouais, Kurikara qui est une très très bonne carte contre Purely, c'est assez dur de jouer autour. Tech, je sais pas si c'est vraiment une tech, conseil, si vous êtes post-side et que vous avez assez de ressources après avoir activé votre trap, ne piochez pas avec votre noir. Vous vous mettez pas en range de Kurikara, tout simplement. Donc par exemple, si je vous dis, je fais ça, je lui mets Sleepy du coup pour faire ça et poser ma trap. Puis en end phase, vu que j'ai mon terrain, je remets une Sleepy et du coup j'ai pioché 2. Ok. Draw phase, standby phase adverse. Pioche 2, ça résout. Ok, vous avez genre 4 cartes en main. Vous avez 5 matériels sous ça. J'en sais rien, un truc comme ça, on va dire. Ou 4. Et vous êtes en mesure de faire un noir. Bah, dites pas effet de la trappe. Attendez de vous prendre une interrupt sur votre body pour chaîner la trappe pour le dodge. Et du coup venir overlay par-dessus un noir. Et ne faites pas effet pour piocher en standby en fait. Gardez cette ressource là, parce que sinon vous allez juste vous faire Kurikara. Donc post-side, essayez de jouer autour de ça. Vous allez prendre des kaijus, hein, ça résoudra pas tous les problèmes du monde. Mais ça vous permet au moins de jouer autour d'une carte assez gratuitement. Enfin juste, même si ça paraît évident que faire plus 1 ou plus 2 c'est bah juste parfait en fait. C'est pas forcément toujours nécessaire et juste posez-vous la question de est-ce que j'ai besoin de ce plus 2. Des fois oui, hein, des fois bien sûr, des fois non. Et si vous en avez pas besoin, bah juste le faites pas en fait, c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc double noir, petit purly, très important de réfléchir quand même à ce que vous faites la trappe ou pas. Dans ce setup là particulièrement, ça marche aussi avec un plump qui a 2 sleepy ou 3 sleepy. Vous piochez 3, je pense que vous n'avez pas besoin de piocher 6, 3 c'est suffisant. Gardez votre trappe, attendez qu'il se passe une interrupt et flippez votre trappe quand vous la prenez pour dodge. Donc voilà, on revient sur H. C'est très bon contre Branded, c'est très bon contre Unchained, ça peut le stopper ses combos s'il a pas d'extender en main. Bon, aujourd'hui, les listes Unchained jouent plus d'extender pour pallier à ce problème et avoir plus de punch. Mais je pense que c'est un bon pick. Si vous avez de la place en main, mettez-la en main, sinon c'est un bon pick de side. Et 10 barrières, je pense que c'est juste essentiel. C'est la meilleure carte de Gophers dans ce format, tout simplement. Ça tue Kashtira, enfin ça tue, oui, si, ça tue Kashtira. Ça tue Kashtira, ça tue Purely, ça tue Branded, ça... peut faire... bon, ça tue pas Unchained. Hein. Unchained jouera. Unchained est probablement un des meilleurs decks pour jouer contre 10 barrières. Mais ça peut faire mal à Unchained. Est-ce qu'il y a d'autres decks auxquels j'aurais pas pensé? Ça tue Manadium, bien évidemment. Hein. Synchro! Ah! Eh ben, je vais faire Apollosa à 4 et j'ai passé mon tour. Très bien. Donc voilà. Et non, très très bonne carte. Très 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 bonne carte. Sinon, une carte que je peux te conseiller pour un one-off de side...
Aujourd'hui, une carte que moi j'aime beaucoup si j'ai un Sleight en side et que j'ai pas trop de trucs en particulier que je veux rentrer, c'est Pancratops. Pancratops qui est une très bonne carte dans le format parce qu'il a assez d'attaques pour passer, enfin pour forcer des bodies un peu relous. Il a assez d'attaques par exemple pour venir taper dans Fenrir, pour venir taper dans Unicorn sans activer d'effet. C'est Pancra. Ok, Battle, tape dans Fenrir, t'as pas activé d'effet, donc il peut rien de ban. Derrière, tu peux faire effet pour genre péter un Uraize ou forcer un truc, donc Pancra, ou au moins tu forces l'effet de Rise, et du coup tu peux TTT derrière, etc. Pancra, j'aime beaucoup, très très bon one-off, tu peux la rentrer dans pas mal de situations, elle est très polyvalente. Si vous avez un Sleight en side dans ce format, jouez Pancra, c'est une très très bonne carte. Donc voilà, je pense que c'est à peu près sur ça que je m'arrêterai si moi je jouais le deck. Si tu veux revenir dans une approche plus end-trap, tu peux retirer les TTT, tu peux retirer les books, tu peux retirer les cosmiques et tu peux mettre genre Veiler, Ashe et Droll, j'aime pas trop. Peut-être plutôt soit Nib, soit Mourneur en fonction de ce que tu as envie de contrer comme match-up. Mais je pense que l'approche Boardbreaker est assez intéressante. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions à me les poser tout de suite maintenant. Ou même à les poser plus tard dans plusieurs jours, à nous faire un retour dans le channel deck building sur ah bah j'ai testé la version, j'en ai pensé ça, ça, ça. Dans les options potentielles que j'inclurais pas, mais que j'ai considérées aussi avant d'en parler, on peut parler de Dark qui pourrait être intéressante. Pourquoi je l'ai pas rentré? Parce qu'elle t'apporte pas de nouvel attribut pour Talker. Mais elle pourrait être intéressante. Il y a pas mal de Dark dans le format, ça te permettrait de climb facilement. Pourquoi pas une Dark? Et sinon, tu peux jouer aussi Kurikara, bien sûr, à la place de Santa, ou même en complément de Santa, par exemple, à la place de Ashe, si t'estimes que Ashe, c'est pas une carte. Enfin, les decks qui jouent Ashe te font pas peur. Si t'as pas peur de Branded, si t'as pas peur d'Unchained, tu peux jouer Kurikara ici. Tu rentres genre 3 Kurikara là et 3 Santa à la place de Book, parce que Santa et Book, ça va faire la même chose, ça va deal avec un mob. Et voilà. Je pense que c'est des options à considérer. Si tu trouves que tu manques de Kaiju-like. Kurikara, c'est une très bonne carte aussi dans ce format. Je vais playtest cette version. Eh ben écoute, fais donc, et puis n'hésite pas à nous faire tes retours dans le channel. Je vais la screen tout de suite et je vais vous la mettre sur le Discord. Je vais vous la mettre dans le channel Deck Doctooz, I guess.